D'observation. Toujours aucun signe d'activité paranormale, mais patience, un chasseur de fantômes n'abandonne jamais. Même quand personne ne veut le croire. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, un vrai fantôme! Il me faut une preuve. Ah, et voilà, posté sur mon blog, je vais devenir célèbre. Et maintenant, phase 2, la capture. Je te tiens. Oh, il est nul, cet aspi fantôme. Zoé m'a envoyé une photo d'un lapin phosphorescent. Elle a été postée depuis le château en ruine. Votre sous-marin ne doit pas être loin. On ne doit plus être très loin. S'il brille dans le noir, on n'aura pas de mal à le trouver.
Baba. Il est là, le lapin luisant. Quelle camelote! Je vais me débrouiller avec ça. Eh oh, tout va bien? Je suis un ami. Non mais ça va pas la tête. Bah les pattes, j'ai vu ce fantôme en premier. Va t'en trouver un autre. C'est pas un fantôme, c'est une sorte d'extraterrestre. Un extraterrestre? Mais c'est pas toi, Eldon, qui a un blog où tu racontes que des lapins veulent envahir la Terre? Ah, j'adore! C'est tellement débile que c'en est génial! Waouh, Zach! Le célèbre Zach! Je vais faire 1 million de vues! Qu'est-ce que vous faites? Waouh, c'est quoi ce truc? Désolé, il faut qu'on file. On a un sous-marin à rattraper. Salut! Il avait raison. Ces lapins sont bel et bien des extraterrestres qui veulent envahir la Terre. Non! Papa.
savent pas prendre soin de leurs affaires. Ouais. Moi, je leur apprendrai la discipline, moi. Ça suffit. Tout indique qu'ils sont partis précipitamment. Votre café, chef. Laissez-moi tranquille. Ceci est mon journal de bord. On est jeudi 23 avril, il est 8h30. Nous avons enfin établi le contact avec le sous-marin volant. J'espère pouvoir le localiser bientôt, afin que mes trois copains, les lapins, puissent enfin retrouver les leurs. Le voilà. Vous me recevez ? Oui, je vous entends. Où êtes-vous ? Donnez-moi vos coordonnées. Confirmation des coordonnées du point de rencontre. 51,887 degrés nord et 3 degrés est. Je déploierai le grappin télescopique pour vous faire monter à bord. Veuillez ne plus bouger, mais... Ok, c'est bon les gars, j'ai les coordonnées. Si on part tout de suite, on devrait y être dans quelques jours. Qui sont crétins, ces lapins. On est en panne. Heureusement, j'ai toujours une réserve d'essence. Les gars! Après plus de 20 km à pied, on a enfin trouvé une station-service. Mais il y a un problème. L'unité spéciale nous a devancés. T'en as marre de ce mouche. Celui-là, c'est pour la chef. Votre café, chef. Messieurs, vous pouvez oublier cette augmentation dont on avait parlé. Permettez-moi de vous aider, maître. Faut qu'on reparte. On peut pas risquer de se faire surprendre. Venez. Suivez-moi. Vendredi 24 avril, 17h50. Je pense qu'on est enfin arrivé au point de rendez-vous. Il ne peut plus rien nous arriver maintenant. On va pouvoir passer la nuit dans cette vieille grange. Sauf qu'elle est fermée. Hey, vous avez vu cette magnifique tente? Je suis plutôt fier de moi, ce truc-là. Là dehors, quelque chose approche. Non mais sérieux? Oh, ça commence à bien faire avec vous. 1, 2, 3. Mais alors? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hé! Réveillez-vous! Vite, les gars! Il faut pas rester ici! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est parti! Attendez, ce n'est peut-être qu'une ruse pour nous faire partir.
fin. Je ne remets pas en question vos compétences, mais cela exige une certaine expérience. Nous sommes samedi 25 avril. La mission est un échec. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Ne bougez plus.